Maintenant, nous allons aborder dans cette partie le changement, non seulement de l'Arabie saoudite, mais surtout de sa géopolitique liée à l'islam. La première date qui s'impose, sans faire d'analyse ni de description, c'est le 11 septembre 2001. Ce jour-là, 15 des 18 terroristes sont de nationalité saoudienne. Les Américains en premier, les Occidentaux aussi, ne tardent pas à pointer du doigt l'islam. Il n'y a pas d'enquête, on ne sait rien, tout ce qu'on sait, ce sont des Saoudiens, donc des musulmans. Dans l'urgence, l'ambassade saoudienne à Washington, Débloquer 20 millions de dollars pour améliorer l'image de l'Arabie saoudite. Et en ce moment-là, bien sûr, c'était euh, mettre un pansement sur une jambe de bois, mais il fallait réagir. Et il faut rappeler que en septembre 2001, c'était George Bush, président, et surtout, surtout, les néoconservateurs. Et George Bush, son vice-président Dick Cheney, qui est le lobby des pétroliers, était gêné parce qu'ils sont très liés à la maison El-Saoud. Ils ne pouvaient pas vraiment passer ça sous silence. Et il fallait des contreparties. La première, dans le plan des Américains, c'était on va envahir l'Irak. L'Irak est une cible importante parce qu'ils ont commencé à envahir l'Afghanistan. Ils ont envoyé beaucoup de missiles dans des grottes. Ça n'a pas donné grand-chose. Mais l'Irak, c'est plus important parce que le seul le pétrole irakien peut concurrencer le pétrole séoudien. J'explique. L'Irak de Saddam Hussein était sous embargo, n'a pas il y avait l'accord pétrole contre nourriture. L'Irak n'a pas exporté beaucoup de pétrole. Deuxièmement, l'Irak n'a pas bénéficié des nouvelles technologies des pétroliers. Les investissements étaient à faire. Et troisièmement, le pétrole irakien, les coûts d'extraction du pétrole irakien étaient les moins élevés. Je cite un exemple. Cette période-là, le coût d'extraction du pétrole irakien était estimé à 50 cents le baril. Pour comparer, le coût d'extraction du pétrole saoudien était 90. Le plus cher, c'était l'Omané, qui était à 3-4 dollars. Donc l'Irak, c'est une des grandes réserves, les coûts d'extraction ne sont pas chers. Donc les États-Unis envahissent l'Irak, ils ont le pétrole, et ils peuvent faire pression. Sur l'Arabie saoudite. Le pétrole irakien est intéressant en soi, le pétrole est toujours intéressant, mais c'est un levier pour se libérer de la même mise des Saoudiens sur la politique américaine régionale. C'est ça qui était important. Donc, les Américains vont en Irak. Tout ne se passe pas comme prévu. Il y a la résistance, en plus. Ça a provoqué l'éveil des chiites. Il y a al Assad qui a levé l'armée du Merdi. En 2004, il y a eu des accrochages avec l'armée américaine. Et les attentats, bien sûr, je n'ai pas décrit les attentats. Tout ça a engendré le fait que le pétrole irakien n'était pas, tout le pétrole irakien n'était pas disponible. Et les coûts d'extraction sont élevés à cause de la facture sécuritaire. Il fallait sécuriser l'extraction du pétrole. Donc le pétrole irakien a fait le bonheur des sociétés privées américaines paramilitaires. Ça a permis de couvrir les frais de l'invasion. Mais ce n'est pas un pétrole injecté dans l'économie mondiale pour affaiblir l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a très bien compris. En 2004, cette période-là, l'Arabie saoudite a augmenté sa production au-delà de 10 millions de barils de jour. C'est énorme. Ça a engendré deux conséquences. La première, le pétrole saoudien, le pétrole saoudien est devenu incontournable parce qu'il n'a pas été remplaçable. Le pétrole irakien. A fait le bonheur des sociétés privées américaines paramilitaires, il y avait une ou deux britanniques, et il a couvert les frais de guerre, mais le pétrole irakien n'était pas offert à l'économie mondiale. Le pétrole saoudien a continué à jouer ce rôle. En 2004, l'Arabie Saoudite augmente sa production à 10 millions de barils de jour. C'est très important. Donc l'Arabie Saoudite reste... Irremplaçable, du moins pas facilement remplaçable. Et ce qui est important pour les Séoudiens, c'est l'enrichissement. Il y a encore plus de richesses. En ce moment-là, les Séoudiens se sont mis à acheter une assurance vie. Je donne euh, deux chiffres comme exemple. En 2004, les fonds Séoudiens investissent aux États-Unis 860 milliards de dollars, notamment dans les bancs du trésor dans l'économie et ce qui représente 7% de la capitalisation boursière américaine. C'est énorme. À partir de ces plusieurs centaines de milliards de dollars investis aux États-Unis, entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, c'est revenu business as usual. Seulement les néoconservateurs entendent poursuivre leur politique pour sécuriser toute la région. Et leur politique est appelée le Grand Moyen-Orient. Cette politique consiste à dire, on rend ces pays démocratiques et ces pays seront plus stables. C'est comme ça qu'en 2005, il y a eu les premières manifestations en Égypte financées par des ONG euh, américaines et autres pour protester contre Hosni euh, Mubarak. Euh, et là... L'Égypte était contre, l'Arabie saoudite contre, le Koweït bien sûr contre. Ce sont des mastodontes qui sont élevés, et le projet du Grand Moyen-Orient n'a pas pu voir le jour. Bush a fini son second mandat avant de mettre à exécution le projet néoconservateur du Grand Moyen-Orient. Barack Obama au pouvoir fait un constat l'image des États-Unis d'Amérique n'est pas très bonne, essentiellement au sein de la communauté musulmane. Et parmi ses grandes et premières démarches, c'est le discours du Caire, où il fait l'éloge de l'islam. Seulement, Barack Obama reprend d'une manière plus insidieuse le projet du Grand Moyen-Orient avec une méthodologie très différente. Il met L'Émirat du Qatar en situation de sous-traitance. Le Qatar est devenu richissime grâce au boule gazier. Et il commence par faire le programme qui est connu, qui est appelé le printemps arabe.